l'appréhension, la cupidité. Tout le monde a cette émotion cachée au fond de leur esprit. C'est une émotion si puissante qui peut changer les personnes pour le meilleur ou pour le pire. Mais comment cela peut changer les gens? Est-ce que la cupidité continue de causer des bêtises d'inhabilité pour les gens maintenant? C'était une grande période comme ça, et ça continue de posséder les gens aujourd'hui. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Ou est-ce que ça peut te pousser de faire des choses de mal? La cupidité est le pouvoir de l'esprit. Le désir intense pour quelque chose s'appelle la cupidité. Elle a des différents noms comme l'avidité, la gourmandise et la concupiscence. Elle vous amène à diminuer et égoïste pour des choses que vous n'avez pas, comme de l'argent, de nourriture, du pouvoir, d'être supérieur des personnes et d'autres. La cupidité est comme un virus qui transporte de personne à personne et change notre état d'esprit. C'est un peu probable qu'une personne avide peut vivre une vie joyeuse et paisible. La gourmandise peut aussi amener une personne devenir insensible, arrogant ou même mégalomane. La mégalomanie est la croyance délirante que les personnes sont plus importantes, plus supérieures ou même plus célébrées que toi dans une forme de symptôme ou de difficulté mentale. La cupidité est vraiment puissante. Mais est-ce que c'est une bonne chose? L'avidité peut te permettre de travailler plus fort pour les choses que tu n'as pas. Et les gens peuvent aussi commencer d'être joyeux de leur vie parce qu'ils ont les choses qu'ils veulent. C'est aussi vraiment avantageux. Les personnes avides n'abandonnent pas les tâches facilement. Et ça, c'est une bonne chose d'avoir dans notre société aujourd'hui. Ce n'est pas une mauvaise chose de vouloir plus que tu en as maintenant, mais ça devient une chose mauvaise si tu commences à être triste et fâché parce que les autres recherchent ce qu'ils veulent et tu ne peux pas. Si on peut apprendre comment éviter ça, la cupidité peut être une source de motivation. L'avidité est normale dans la vie, mais il y a des fois où ça peut te pousser d'aller au maximum. Par exemple, un homme qui s'appelle Samuel Brown a été kidnappé parce qu'il le voulait. Il a organisé un faux enlèvement avec son partenaire. Il a demandé pour 2,3 millions de dollars comme rançon. La police a découvert que Samuel a menti. Et à cause de ça, il n'a pas été choisi comme héritière de la fortune de sa famille. Beaucoup d'autres ont commis des crimes horribles à cause de la cupidité. Ces personnes ont fait des choses de mal pour de l'argent, le plaisir et d'autres raisons terribles. Cette histoire n'est pas la seule. Il y en a plusieurs. Et ça démontre comment la cupidité corrompt les gens. La gourmandise est un pouvoir que les personnes ne connaissaient pas vraiment. Cela corrompt les gens et change leur vie d'une façon malheureuse. Mais ça peut aussi changer leur vie d'une bonne façon. Il y a beaucoup de différents scénarios qui montrent la cupidité dans l'histoire. Notre société a continué de grandir l'avidité pour être plus puissante. Et on peut apprendre comment éviter ce trouble mental par ne pensant pas seulement à nous-mêmes, mais aussi les gens qui nous entourent. Parce qu'à la fin de la journée, la seule personne qui nous blesse au monde. L'avidité ne finira pas une fois que vous obtenez ce que vous rêvez. Car bon, tu es toujours insatisfait. Merci beaucoup.